aujourd'hui, c'est le TechRock Summit 2019, une journée de retour d'expérience entre tech leaders. Le Summit, c'est vraiment une journée de conférences dédiées aux CTO où j'y trouve des réponses et des échanges intéressants dans la vraie vie. C'est le seul événement CTO sur lequel il y a un niveau d'expertise qui est assez fort pour que ça puisse répondre ou m'aider dans les problématiques que je gère stratégiques au quotidien et dans les choix que je fais sur le pilotage de la boîte ou le pilotage de l'équipe IT chez SS First. Le côté no bullshit que je ne vais pas trouver sur des blogs ou que je ne vais pas trouver dans des conférences plus classiques et le côté prise de recul sur ce que je fais tous les jours qui me fait vachement réfléchir. C'est surtout de partager de l'expérience avec mes compères, d'avoir des retours efficaces, directs et surtout de réseauter et de parler de sujets dont on parle franchement très peu souvent. Il y a toujours eu énormément de clubs de CEO, jamais de clubs de CTO, alors que finalement plus ça va aller et plus les CTO dans tout type d'entreprise vont avoir un rôle clé. Donc je pense qu'il y avait quelque chose à faire, ils l'ont fait et je les en remercie. La difficulté, c'est de faire un choix entre les différents ateliers ou les différentes conférences qui sont en même temps. Mais c'est assez bien rythmé, il y a un temps pour tout, le coworking, les workshops cette année qui ont été rajoutés et puis voilà, des conférences toujours aussi intéressantes. C'est un peu un moyen pour moi de faire de la veille, de sortir la tête du guidon sur notre quotidien et la manière qu'on a d'aborder les choses en interne, que ce soit d'un point de vue organisationnel, management ou sourcing de staff. Et d'avoir un petit peu les retours d'expérience de comment ça se passe chez d'autres, ça amène un petit peu à réfléchir et peut-être à identifier là où nous on pêche un petit peu sur certains points et peut-être essayer ce qu'ont fait les autres et sur lesquels on aimerait capitaliser parce qu'eux nous font des retours positifs. Si à chaque conférence, à chaque rencontre, on a un retour positif, c'est-à-dire vous m'avez aidé à grandir, vous m'avez aidé à être meilleur, etc. Je pense que c'est l'énergie dont on a besoin pour continuer. Ça c'est le truc de base. Après, c'est une cause en laquelle on croit énormément, donc on a cette énergie un peu naturelle qui est disponible. Mais le vrai sujet, c'est comment le retour des visiteurs, des visiteuses là, du jour est positif. Ça va nous nourrir pendant au moins un an. Le TechRock du futur, pour moi, c'est un événement en continu. Parce que faire une release par an, c'est vraiment pas le meilleur conseil qu'on puisse donner à un CTO. Donc vraiment d'avoir un travail continu, un réseau en continu, des contacts en continu. On commence à l'avoir avec Slack, on a des meet-ups, on a des rencontres. Mais le TechRock du futur, c'est un TechRock permanent.